Après ces vacances festives et ce reportage à Montigny, je pense que mes croque-lecteurs, à qui nous souhaitons une très bonne année au passage, ont été bien nourris. Mais le régime va attendre car l'équipe du Croque-Lecture vous a concocté une émission très gourmande. Je ne parle pas de foie gras, de pain d'épices, de sablé ou autres gourmandises de Noël, ni de l'inoubliable galette des rois, mais bien de notre 8e numéro consacré aux étoiles littéraires, c'est-à-dire aux auteurs vainqueurs de 3 prix différents, et surtout à leurs livres. On va commencer tout de suite avec Astrid, que va-t-elle nous présenter ? Telle est la question. Astrid, j'ai l'impression que nos croque-lecteurs sont pressés de découvrir le livre et l'auteur que tu vas nous présenter. Et s'ils ont bien suivi la dernière émission, je pense qu'il y aura un air de déjà-vu. À toi. Je vais vous présenter le roman qui a remporté le prix Jeunesse 2011 du Salon du Polar de Montigny-les-Cormeilles, qui était en compétition avec les romans suivants. Peine Maximane d'Alvental, Terminal Terminus de Thierry Roberecht et Crime et Ginsling de Luc Blanc-Villain. Il s'agit du polar d'Agnès Laroche et Murder Party, qui s'intitule Murder Party, édité chez Rajo. Astrid, peux-tu nous raconter l'histoire de Murder Party, vainqueur du PJ collégien ? Maxime Astier, un jeune garçon qui va bientôt fêter son anniversaire, décide d'organiser une genre de soirée pyjama à laquelle sera invité Arthur, son meilleur ami, ses cousins et une fille. Comme d'habitude, Noé, son âne de frère, se met à rire. Plus tard dans la soirée, Noé propose d'organiser une murder party. Max trouve que c'est une très bonne idée. Il ne lui reste plus qu'un seul problème. Comment inviter Marguerite, la fille en question. Il se rappelle comment il l'a rencontrée. Max descend tranquillement les escaliers quand il la voit et, déconcentré par sa beauté, il rate une marche et s'affale devant elle. Le lendemain, en cours d'SVT, il se retrouve avec Margot. Sur l'ordinateur du cours, il lui demande si elle veut bien venir à son anniversaire et elle accepte. Le grand jour arrive. Noé a bien fait les choses. Max et Marguerite se retrouvent dans la même équipe et Max trouve être le détective. Ils commencèrent à chercher le cadavre du jeu, mais ils doivent s'arrêter car Margot est handicapée. Enfin, ils continuèrent à chercher et tombèrent sur le vrai cadavre qui semble étrangement réel. Pourquoi, selon toi, les collégiens ont décidé d'élire Murder Party ? À la lecture de ce roman très facile, j'ai un sentiment mitigé. Je trouve l'intrigue haletante, drôle, efficace, rythmée. Ce roman mélange habilement les genres, tranche de vie tout d'abord, roman policier ensuite. Il aborde de nombreux thèmes tels que l'amour, le malentendu entre adolescents, le handicap avec le personnage de Margot. Agnès Laroche décrit bien les personnages, mais beaucoup trop. C'est pour ça que la découverte du cadavre arrive tardivement et que l'enquête commence beaucoup plus tard. On est amusé par Max qui raconte l'histoire. On comprend pourquoi sa timidité et sa maladresse peuvent apparaître comme des preuves d'hostilité auprès de Margot. Margot, elle, est vraiment très mystérieuse. On la découvre petit à petit dans le livre, notamment son passé. Enfin, Noé est celui qui fait plus rire les lecteurs. Derrière son caractère un peu bête, il est au fond de lui, très prévenant avec son petit frère. Il s'occupe de toute l'organisation de la murder party. Si j'avais dû élire le meilleur du prix Polar, j'aurais voté Peine Maximale d'Anne Vental. Enfin, je vous conseille de lire le deuxième roman policier d'Agnès Laroche qui s'intitule Sarah Fisher, que j'ai lu et trouvé très intéressant. Vainqueur du pépite du Salon de Montreuil, le roman finlandais Une dernière chance suscite notre intérêt et en particulier celui de Adam. Il en connaît bien plus que moi à son sujet, c'est pourquoi je lui laisse la parole. Aujourd'hui, je vais vous présenter Une dernière chance qui a gagné le prix Pépite roman ado européen. Ce livre intitulé Une dernière chance a été écrit par Seta Parkola, un écrivain finlandais, et édité par Actes Sud du Nord. Et quelle est l'histoire d'Une dernière chance ? Vima est un garçon de 13 ans, vivant dans un milieu assez pauvre, avec des parents divorcés. Son père s'est remarié avec une femme nommée Vir Varvento, qui est conseillère d'orientation. Vima est un très mauvais élève, qui préfère passer son temps à sécher les cours plutôt qu'à étudier. Il se fait expulser d'école en école et doit donc intégrer l'école de la dernière chance, un véritable établissement de redressement pour les élèves difficiles. Une fois dans le bureau du directeur, Vima se rend vite compte qu'il n'aura plus aucune vie privée et il n'aura plus le droit d'avoir aucune passion, comme le skate, une de ses passions favorites. Il devra suivre un règlement sévère. En fait, les élèves subissent une surveillance continue et des punitions inhumaines et humiliantes. Vima est trouvé dans cette nouvelle école. Heureusement, il rencontre India dans une usine désaffectée, une rebelle qui a, re,
qui a, elle, refusé sa dernière chance. Ils finiront par découvrir ces terribles secrets qui se cachent sous cette école de la dernière chance. Et mérite-t-il ce succès aux pépites ? J'ai vraiment un avis très positif sur ce livre, que je trouve très original, mais qui est à conseiller à des lecteurs aguerris. Ce thème est intéressant, on découvre comment les adolescents se construisent. En effet, le personnage de Vima nous montre un adolescent qui veut s'affirmer et devenir un adulte. Mais le système éducatif ne lui convient pas, il fait tout pour le transformer. Pour retrouver une certaine liberté, il se rebelle contre sa famille et contre cette école injuste. Heureusement, il peut compter sur India qui le soutient. De plus, l'auteur a réussi à établir un climat extrêmement lourd. En ajoutant le mystère des masques de cire cachés, l'auteur réussit à faire entrer une part de fantastique dans son livre. Le lecteur a parfois du mal à supporter tous ces aspects négatifs, mais bien intégrés à l'histoire. En conclusion, ce roman m'a beaucoup plu, et il me rappelle régulièrement la trilogie Métaux, qui m'a aussi beaucoup plu, et que je vous conseille de lire. Et pour finir, Tristan est prêt à nous présenter un autre prix du Salon de Montreuil, mais complètement différent cette fois, car il s'agit d'un prix de manga. Je passe le relais à notre chroniqueur. Je vais vous parler aujourd'hui de Riné, le manga qui a gagné le prix Canal BD Délire au Salon du Livre de Montreuil. Il a été écrit par Rumiko Takahashi, mangaka connu pour ses œuvres comme Ranma 1/2 ou Inuyasha. Au Japon, la série compte 10 volumes, dont 7 déjà parus en France. Tristan, peux-tu nous faire le résumé de Riné ? Depuis qu'elle s'est perdue dans la montagne, Sakura Mamiya peut voir les fantômes. Elle se rappelle seulement de son incident, une grande roue rouge et une femme dont elle ne voit pas le visage. Un jour, alors qu'elle était en cours, son mystérieux camarade de classe, qui était toujours absent, arrive. Mais personne ne peut le voir. Elle pense donc que c'est un fantôme, mais elle finit par le suivre et voit bien que c'est un humain. Il s'appelle Rikudo et est une sorte de Shinigami, un être humain qui chasse les fantômes. Grâce à sa veste, il peut se rendre invisible ou rendre visible les fantômes. Mais son matériel coûte horriblement cher et, pour pouvoir se le payer, il demande à tous ses élèves de la classe de mettre un don à l'abri météo avec leurs problèmes sur papier. Mais si Rikudo est obligé de faire son travail, c'est à cause de sa grand-mère dont il doit payer les dettes. Mais entre les fantômes, ses visites incessantes de sa grand-mère et ses problèmes d'argent, Rikudo n'est-il pas un peu trop épuisé et trop travailleur ? Sakura le comprendra bien assez tôt. Et es-tu d'accord avec ceux qui ont élu Riné ? Riné est un shonen manga assez intéressant. Je trouve que le scénario ressemble beaucoup à d'autres mangas connus comme Bleach. Mais les dessins de l'auteur ne me plaisent vraiment pas. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas. Le scénario est très simple. Il ne va pas chercher très loin. En mélangeant les thèmes de la camaraderie, de l'au-delà et de la famille, on obtient une histoire assez intéressante et pleine d'humour. Une des spécialités de l'auteur Rumiko Takahashi, qui aime jouer sur les quiproquos. L'histoire de Rikudo, le mystérieux Shinigami, est assez étrange. Sa grand-mère essaie de venir l'aider, mais au final, elle ne fait que lui créer des ennuis. Cela va commencer à l'énerver. Puis Sakura voudra venir l'aider, même si ce n'est au final que de la simple curiosité. Les fantômes que Rikudo croise sont tous différents, allant du simple étudiant troublé au samouraï cherchant son épouse. Ils ont tous un lien ou un objet qui les oblige de rester dans ce monde, ce qui rend encore la tâche à Rikudo encore plus difficile. Cela apporte donc des situations très différentes, renouvelant vivement l'histoire. Donc, je vous conseille la lecture de ce manga qui est assez intéressant, et aussi des autres titres comme Bakuman, celui pour lequel j'aurais certainement voté. L'équipe tient à remercier tout particulièrement Okapi qui nous a beaucoup aidé à nous faire connaître et à rencontrer de nouveaux croque-lecteurs. Et sur ce, on se quitte, pour mieux se retrouver vendredi prochain bien sûr. Nouveaux menus, nouveaux auteurs, nouveaux livres, avec de nouveaux chroniqueurs, alors tenez-vous prêts pour encore plus de découvertes littéraires en notre compagnie. À bientôt !